Carrément, je m'excuse d'avance pour ce qui va se passer par la suite. J'espère vraiment que tout va bien pour vous aujourd'hui. La maman, le papa, les amis, les frères, les sœurs, les tantes. Ah oui, c'est vrai, j'arrête de vous demander si ça va puisque jamais personne ne me répond. Apparemment, tout le monde s'en fout, mais bon. Ça fait super longtemps que je n'ai pas fait une petite vidéo réaction par rapport aux commentaires de mes vidéos. Je sais pas vous, mais moi perso, j'adore ce genre de vidéos. Donc là, c'est ce que je vais faire, ouais. Je pense que c'est ce que je vais faire. Comme d'hab, on tente les 200 000 pouces bleus pour un autre épisode. Et oui, j'ai bien dit 200 000 pouces bleus, je préfère être optimiste. C'est parti. Moi, j'ai la phobie des putaclics. Ah bah tiens, ça tombe bien parce que moi aussi d'ailleurs. Non mais y'en a, ce mot il vous a rendu fou. L'autre fois j'ai fait une vidéo sur le débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Du coup bah logiquement j'ai mis comme titre: je réagis au débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Et y'a un tout petit parasite qui est venu commenter sous ma vidéo. Ce serait pas un peu putaclic ça quand même? En fait toi t'es con, toi t'as vu tes vidéos c'est de la merde. Alors ta gueule, Maxime et Kylian, eux ils font vidéo cool. Bolos va. Ouais, d'accord. Alors écoute-moi bien Christophe Nicolas. Déjà rien que ton prénom ça se voit t'es pas très stable dans ta vie. Faut que tu te décides, soit c'est Christophe ou soit c'est Nicolas. Au bout d'un moment faut couper la poire en deux. Putain c'est quoi cette expression encore, la poire en deux? Perso j'aurais choisi Nicolas, après tu fais ce que tu veux. Ça c'est bien dit. Hugo dit n'importe quoi, a dit c'est pas moi qui le quitte, c'est Marine qui m'oblige. J'ai dit qu'elle a une taille de petite poupée. Une taille de petite poupette? Là j'ai rien compris là. En même temps le gars s'appelle Hugo dit n'importe quoi, donc je pense qu'il porte bien son nom. L'auteur de la vidéo me fait penser à une sorte de mélange entre Thibaut InShape et le rire jaune. Je parle de la voix et du tempo, enfin je me comprends. Juste quand il parle de l'auteur de la vidéo, il parle de moi. Si c'est le cas, tu peux t'adresser à moi directement, t'en fais pas, j'ai pas d'assistant pour lire mes commentaires, je fais tout seul ici. Moi j'ai la phobie de ta gueule de con. T'es méchant. L'orthographe bordel, l'orthographe. Super vidéo, comme d'hab, love, je t'adore le sang. Ah bah voilà. Non c'est vrai, je vous montre beaucoup de commentaires négatifs, mais majoritairement je reçois ce genre de messages. Donc vraiment encore merci à tous ceux qui me soutiennent et font avancer ma chaîne. Hashtag tu me reconnais? T'es trop drôle. Merci. J'ai 16 ans mais j'ai beaucoup plus de barbe que toi. Sinon tu fais de bonnes vidéos. Merci. Nicolas, alors comme ça, tu likes tes propres vidéos. Mais oui, je suis obligé pour être first, c'est une bonne technique, non? Si moi-même, j'aime pas ce que je fais sur YouTube, à quoi bon continuer, sérieux? Tu gères comme d'habitude, je mets un like avant que tu commences car je sais que ça va être énorme. Hashtag, tu me reconnais? Voilà, Toto, c'est parfait, ça! Si tout le monde pouvait être comme toi, tu me régales dans toutes tes vidéos, mais continue comme ça, t'es un bon. Arrête de chialer. Certains sont pour Macron, d'autres pour Le Pen, perso je suis pour Nico. Hashtag tu me reconnais. Merci et ça me fait plaisir de voir qu'on partage les mêmes opinions politiques. Ah ça fait un peu narcissique ça par contre. Continue, tu vas percer et fais plus de vidéos. Plus de vidéos, je vous cache pas que c'est chaud parce que je prends énormément de temps au montage. En plus en ce moment je suis dans une période de stagnation. Je m'explique. En fait j'ai plus trop d'idées de vidéos. Dès que je commence à écrire un truc je suis en mode putain mais qu'est-ce que j'écris, ça pue la merde ça. Et du coup comme ça j'avance plus du tout. Voilà c'était ma vie, question suivante. Nicolas, mec, t'as même pas 104, tu demandes 104 likes. Mais lol, t'inquiète, je parie que tu les auras. Voilà, exemple parfait, quand je demande 100 000 likes, bah je suis au second degré par exemple. Je suis pas teubé, déjà si je fais 100 000 vues, c'est énorme. Vous imaginez pas à quel point ça doit être abaissant pour Nicolas de voir des commentaires du style: toi qui lis ce commentaire, je te souhaite une bonne journée. C'est vrai que j'en souffre, je suis pas bien à cause de ça. Non, sérieux, le lutin là, il a grave raison. Si vous pouviez éviter ce genre de commentaires, ce serait super sympa. Le souci de beaucoup de gens crédules, c'est que tu fais totalement abstraction des conditions dans lesquelles Marine doit débattre. Elle ne pouvait débattre de manière habituelle pour la simple et bonne raison que toute la campagne était intoxiquée par... Oh, ok, ça m'a suffi. Vous savez ce qu'on va faire? Moi, je vais aller manger et je vais vous laisser lire la suite. Merci pour votre patience. Ne quittez pas. Dans un instant, un de nos opérateurs s'occupera de votre appel. Je suis pas venu, c'est pour souffrir, ok? Je t'aime bien, mais t'es lourd à force avec tes blagues. Ça voudrait dire que je vais donc maigrir si j'arrête mes blagues? Je te laisse méditer. Ça fait 2 jours que je me suis abonné à ta chaîne et je t'adore déjà. Merci et bienvenue à tous les nouveaux. Et surtout, n'hésitez pas à partager la chaîne à tout votre entourage, c'est comme ça qu'on fera avancer les choses. FDP. Je sais pas, t'aurais pu au moins faire l'effort de écrire entièrement. T'es un rageux, lui au moins il assume et il a plus d'abonnés que toi. Vu ton titre, tu feras même pas le buzz. Déjà, remettons les choses au clair dès maintenant. T'as une photo de profil avec un filtre Snapchat sur ta tête, je dis rien. Et moi, je sais pas faire des titres qui font le buzz. Ok, bah alors là, tu vas voir. Hey!
Hey, bienvenue sur les tutos de Nico. Pour un titre qui fait le buzz, il vous faut 1. Un téléphone, 2. Une petite sœur et 3. Une fenêtre en hauteur de préférence. Ensuite, vous pourrez mettre un titre du style « Je craque et jette le téléphone de ma sœur par la fenêtre ». Ah oui, mais par contre, maintenant, faut que je le fasse, sinon on va dire que c'est du putaclic. Bon là, comme vous voyez, je suis bien dans la chambre de ma sœur, hein. Tout ce maquillage, c'est pas à moi, je suis pas une youtubeuse beauté, perso. Et comme elle laisse toujours traîner ses affaires, bah bien entendu, on trouve son téléphone sans difficulté, hein. Bon bah maintenant j'ai plus qu'à assumer mes paroles hein. Par contre je fais pas ça pour rien, donc si vous pouviez mettre un maximum de pouces bleus ça m'aiderait. Là je suis un vrai youtubeur. C'est parti. Allez. Ton cœur bat trop vite, on va se cracher. T'y as cru? Allez, mets ton pouce bleu, je te jure, après je le lance. Ah, je te jure que je vais attendre comme ça. Rien à foutre. Merci pour votre patience. Ne quittez pas, dans un instant un de nos opérateurs s'occupera de... Putain mais je vais vraiment faire ça là. Putain, le pire c'est que le téléphone il est pas mal quoi. Bon maintenant quand faut y aller, faut y aller. Ton cœur bat trop vite, on va se cracher. Ah voilà, il atterrit là. Ah ouais, quand même, comment il est explosé, on dirait que j'ai tiré dessus au pistolet. C'est chaud. Bravo Nico, t'as plus qu'en racheter un. Et tout ça pour une FAQ, je me dis que c'est terrible. Tu vois, c'est ça mon problème, je prends tout trop à cœur. Donc la prochaine fois, avant de mettre des commentaires chelous, réfléchissez-y à deux fois, s'il vous plaît. Comme ça, si ça peut m'éviter de casser tout ce que je trouve chez moi, ce serait pas mal. Bon bah voilà, maintenant j'ai plus qu'à attendre la réaction de ma sœur, hein. Pour cette vidéo, pour me soutenir, n'hésite pas à me laisser un maximum de pouces bleus. Et pour tous ceux qui vont dire en commentaire, eh hey, mais t'es con, tu casses des téléphones qui coûtent cher. Mais tu crois vraiment qu'il s'est cassé comme ça en lançant simplement de ma fenêtre? Bien entendu, c'était un téléphone de démonstration inutilisable. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, portez-vous bien. Et voilà, c'est fini.